C'est comment 2023, la Chambre de commerce et d'industrie initie la semaine commerciale du Mali. Du 14 au 29 octobre 2023, cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, est placée sous le haut patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'ouverture officielle de l'événement a été officiée sous le leadership du premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Choguel Kokala Mayiga, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du représentant de l'IOMA, Mamadou Mustapha Barrou, du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, du directeur général de la BDM SA, M. Ibrahima Ndiaye. Sponsor officiel de l'événement ainsi que de plusieurs personnalités, cette foire d'exposition intervient dans la concrétisation des conclusions du forum de Ségou qui s'est tenu du 30 au 31 mars dans la capitale des Balanzan et qui a pour ambition l'identification et l'opérationnalisation des potentialités de chaque région en s'adossant sur les filières porteuses et les pôles de développement économique. Il faudrait souligner avec force l'attention que le président de la transition accorde au développement économique et social de notre pays, singulièrement la densification de notre tissu industriel et au développement du secteur commerce. En ce mois d'octobre, considéré désormais au Mali comme mois d'y consommer local, cette semaine commerciale fut l'occasion pour les exposants de la capitale comme de l'intérieur ou parfois venus des pays voisins de promouvoir leurs produits et services à travers cette vitrine offerte par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et ses partenaires. Mais vraiment, nous on est venus installer même les événements là, vraiment c'est bon. Comme l'organisation c'est bon, tout est bon. Nous on est venus avec les marchandises du Niger, même les produits artisanaux. Vraiment, toute l'organisation, tout est bon. En tant que partenaire officiel, la BDM SA, première banque du Mali et parmi les plus performantes du continent, en a profité pour offrir sur place tous les services et commodités d'une agence bancaire classique. Depuis quelques jours, le site de la FEBAC s'est transformé en véritable centre international avec plus de 400 stands et pavillons alloués aux exposants, dont les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises et les artisans, entre autres. Nous sommes venus au FEBAC pour pouvoir montrer aux gens nos produits, la qualité de nos produits, parce que nous, on a des chaussures médicales orthopédiques qui prend soin des vieilles personnes et plus les personnes qui sont tensioniques. Le développement économique et social du Mali passe aussi par la valorisation du patrimoine agricole. Ainsi, cette foire invite à consommer nos produits locaux afin de booster la croissance économique et alléger les coûts des produits importés de grande consommation.